Salut. Je crois que j'ai été plutôt bon avec vous, les mécates, n'est-il pas? Tout à fait. Je pense que j'ai fait le nécessaire pour vous aider du mieux possible et de me porter caution dans la création de ce que vous avez fait, votre évolution, et de m'assurer que vous puissiez prendre une place dans la complexité de cette ville. Jusqu'ici, on n'a jamais eu aucun problème avec vous et on a toujours été remerciant de ce que vous nous avez apporté, effectivement. Pourquoi j'apprends que Monsieur Alfie, ici présent, passait de longues minutes à discuter, à donner des informations aux policiers sur qui fait quoi? Parce qu'il a trop ouvert sa gueule et je lui ai fait comprendre. Je suis embêté. Je comprends bien. Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu. Et vous savez bien que tout ce qui s'est passé, on n'a jamais voulu le déclencher et on l'assume complètement. On a quand même été surpris que vous nous ayez balancé aux flics, je vous le cache pas. Et je pense qu'on aurait pu trouver un terrain d'entente pour arrêter ce foutoir qu'on a mis. Parce qu'on a fait de la merde et on le reconnaît. Les En ce que. malentendus ou les problèmes, j'entends. Cependant, ce que j'ai du mal à entendre, c'est le sifflage des oreilles et les problèmes qu'engendre le fait que les petites époucaves ici présentes aient beaucoup parlé. Dès que j'ai appris qu'il avait parlé, je l'ai fait payer. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Si, je Comment on te l'a fait m'inquiète. payer quand tu nous as dit que tu avais parlé aussi? Exact. Après, tu me dis toujours que j'ai parlé, mais je t'assure que l'histoire des armes, Ah, c'est les balles. absolument faux. Il a pas dit le jour où on le torturait qu'il avait parlé? Il a dit qu'on avait des armes. Exact, c'est tout. À l'époque, j'étais petite main pour vous, vous tiriez sur les flics. Je pense que c'est pas un grand scoop. Est-ce que tu es responsable de la communication d'Emmanuel? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi tu parles à la police au nom d'Emmanuel? Pourquoi tu parles de ce que les Emmanuel font ou ne font pas à la police? T'ai-je donné une mission de raconter les choses à propos des manons à la police ou t'ai mandaté pour dire que tu pouvais raconter de mon business? C'est la seule information qui m'a échappé. Donc en fait, ce n'est pas que le seigneur Alfie, c'est l'intégralité qui a une tendance à être une boucave. Une poucave. Les flics sont déjà au courant de ce que vous avez. J'ai juste dit une arme. J'ai pas parlé de calibre encore une fois. Comment fait-on? Quel cadeau vous avez pour moi pour vous racheter? Ah, mes dents et mon foie. Bon cadeau. Hannibal avait l'air plutôt content. Moi j'étais content, mais est-ce que le boss est content? Le boss était content. Justement, je lui demande, mais il a l'air de prendre ça à la légère, de rigoler, de. On se permet de boucaver, de raconter tout et rien à la police, mais c'est rigolo. Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez déçu, les mercates. Je vous ai tendu la main, vous m'avez craché dessus. Je pense quand même qu'on aurait pu trouver un terrain d'entente beaucoup plus facile que de nous capturer, nous torturer, alors qu'on était prêt à vous donner Bah, les fallait preuves. fermer ta gueule face aux flics. Peut-être que tes dents et ton foie seront encore présents. Ça, je suis d'accord, et tu me l'as fait assumer, il n'y a aucun problème là-dessus. Comment ça se fait que les flics savent qu'on vend des armes lourdes, d'après toi? Moi je sais pas parce que j'étais à G6 jusqu'à il y a très peu, mais je sais que les patrons de groupe 6, surtout Monsieur Badger, ils sont au courant de beaucoup de choses en ville, ils ont des amis haut placés dans les gangs, et lui ça fait un moment qu'il est au courant déjà. Et je suppose que si lui il est au courant, Alfie, bah. Alfie. Le SPD est venu me voir et m'a dit MR4 a parlé. Donc c'est soit toi qui racontes de la merde, soit Tyler. Mais à un moment donné, faut assumer. D'après ce que je sais, l'un de vous deux a parlé beaucoup plus que ça. L'un de vous deux Neuf. s'est mis à table de façon plus intensive. Huit. Sept. Parce que les Inutile de vous flics. préciser ce qui arrivera à zéro, hein.
Est-ce que les flics n'auraient pas essayé de vous monter la tête? C'est une possibilité. 5. Les pauvres au milieu. Il a bien fait ses chemins, lui qui va prendre un exemple. 4. C'est la complexité. On va assumer ce qu'on fait. 3. 2. Uniquement les seigneurs Alfie, Pablo, s'il te plaît. 1. Alfie, si t'as dit un truc, dis-le. Ouais, mais non. Non. J'ai dit qu'ils étaient venus me choper avec des armes. Genre. Et ils se doutent que je me serais pas rendu s'ils avaient pas des armes. Enfin, c'est des flics. Dernière c'est... chance. Comment ils savent qu'on vend des armes lourdes? C'est toi qui en parle, Alfie. Si, c'est toi qui nous l'a dit un instant. Tout le monde sait que vous vendez des armes lourdes. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai dit à la police, je vous le jure. Alors, autant c'est ça ton prénom? Oui. Ouais. C'est sur toi que j'ai tiré la dernière fois, non? Sûrement, je me rappelle pas. Oh. Oh, t'as de la chance. Pas souvent, pourtant. Alors, maintenant, est-ce que je suis un peu plus pris au sérieux? Vous voulez me faire avouer quelque chose que j'ai pas fait? Je vous ai pas balancé à la police comme quoi vous vendiez des armes. Ok, donc c'est Tyler. Mais il a pas balancé non plus, enfin, ça n'a aucun sens ce que vous racontez. Ouais, jusque-là, on a tout assumé, Pablo, on a tout assumé. Et bah, dis-moi pourquoi les flics sont venus me voir en me disant il y a un M4 qui me dit que tu vends des AK-47. Tu veux que je te raconte une histoire? Il y a un monsieur qui s'appelle Ifiro qui s'est fait passer pour Vigo des Etats. Et qui a essayé de me soutirer des informations que je n'ai pas données. Je pense que les flics jouent au cow-boy en ce moment et qu'ils t'ont monté la tête. Genre, je vois que ça, vraiment. Et Firo qui s'est fait passer pour... Non, qui ment. Nous sommes vendredi. Lundi soir, je veux un demi-million de dollars pour la gêne occasionnée. Je vais faire preuve de clémence, comme on fait preuve de clémence avec un enfant qui fait des bêtises. En mémoire de quelqu'un qui croyait beaucoup en vous. À lundi soir. J'ai reçu un petit virement et un petit message de Pablo. Qu'il est pas là cet après-midi, m'a dit si jamais on doit déménager maintenant. Ça c'est fait. Je bouge pas les enfants, je vous attends. Faut qu'on lui trouve un nom à cette villa. La villa Collins, c'est écrit devant. J'ai fait mettre un petit panneau. On a vu ça avec Pablo. Collins, c'est un port export. Il a fallu que l'autre il me faisait chier. Et monsieur, vous achetez ça au nom de quoi? J'ai dit, je l'achète au nom de ma société. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, société, un port export. Il m'a dit, comment ça s'appelle? Et comme moi, Collins. Et donc, c'est con, il a fait un panneau. Ah, tu vois, Lenny, il est pas con. Il s'est dit qu'il va se mettre pareil. Ils sont tellement confortables. On n'est pas bien là, Lenny? Oh, il y a des canapés à côté, mais là, des miennes, non? Oh, c'est... T'as acheté ça où? Je sais pas. Bon, il va falloir qu'on fasse un déménagement cet après-midi, et je sais pas à quel moment je vois les seigneurs Benson. Midway, je vous ai fait voter. C'est qui, Kim? Et j'ai pas compris, tu m'as parlé de Kim? Non, j'ai pas compris non plus. Pablo, en ce moment, il est à fond avec LS. Si, à cause de Young et... Ah bah oui, on est là. Si, oui. Et Kim est... Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que c'est à cause de la fusillade des verres. Putain, je l'ai pas ah eu, oui, que j'ai l'appelé Kim. Ah oui, il y a eu la fusillade des verres qu'on a vu ensemble. Et puis les verres sont retournés chez LS d'ailleurs. Les verres sont retournés... Mais je vais appeler Kim, savoir comment c'est passé. Ils sont retournés faire quoi? Bah alors là... Avant une discussion, je crois, et ça s'est mal passé. Tout à l'heure, Pablo avait mis un message comme quoi il fallait voir avec Kim. Et qui avait des soucis avec Kim. Ah, mais il n'a pas mis plus. En tête. Ouais. Bah, il faudrait quoi voir avec LS. Je l'appelle. Je vais appeler LS. Je vais appeler Kim. Ethan. Oui, bonjour, Miguel. Comment allez-vous? Ça va bien. Je viens prendre des nouvelles. Il paraît que vous avez eu quelques coups durs. Ouais. J'étais pas là non plus, mais ouais, apparemment, il y a eu quelques. Mais notre numéro 1, notre numéro 2 sont dans le coma. Apparemment c'était à la soirée, moi j'y étais pas, mais il y avait une soirée pool fight ou je sais pas quoi là, non, au vignoble. C'est depuis la soirée pool fight qu'il est dans le coma? Ouais c'est ça. Je suis dans un merdier phénoménal. J'ai les verres qui sont Kim pointés à et notre Young quartier. Sont tous les deux dans le coma. Ouais tout à fait ouais. Je te vois pas un insta. Ok.
Je suis avec Ethan au téléphone et tout à l'heure, ce que Pablo a mis au tiré, essayé de l'expliquer là, de Kim, c'est que Kim et Yang sont dans les comas. Donc là, en fait, tu te trouves un peu tout seul. Ouais, c'est ça. On savait qu'ils étaient dans exactement un état critique, mais... Donc, du coup, moi, j'essaie de, mais vous de voir pas un plus peu les situations. Si, on est plus. Je vais pas me plaindre pour le business, ça veut dire que tout le monde va passer par moi, mais... J'ai une sorte d'esprit important pour Kim et Yang. Parce que vous avez toujours été glauque. C'est pas compliqué. Moi, j'ai les verres qui sont repointés dans notre quartier le lendemain. Un gars qui a été laissé pour compte par les autres gars du groupe. Donc, à la merci des verts. Ils lui ont ramassé sa bagnole, il voulait ramasser son AK. Lui n'a pas donné l'AK. Du coup, j'ai une VSTR qui se balade dans la nature, dans un garage chez les verts, là. Et voilà. Du coup, on n'avait pas de chef, donc moi, en attendant, j'ai décidé que j'allais reprendre entre guillemets, par intérim. T'as pas les choix. Exactement, il faut que ça se relève, y a pas le choix, on va pas se mouiller, il en est hors de question. Donc à partir de là, j'essaie de faire les bons choix. Là, j'ai des trucs qui se posent, il y a Diouf qui a essayé d'ouvrir un dialogue avec moi. Moi, j'essaie de monnayer la VSTR comme je peux. Après, je sais que Kim et Young, ils voulaient absolument pas leur vendre. Donc ça me pose un problème aussi. Et voilà, donc c'est la merde, si vous pouvez me permettre. Bah, c'est bon, y a plus que le frigo. À un moment donné, Ethan, t'as pas les choix, les machins d'armes, c'est toi. Exactement, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'énerver et d'aller soulever un peu tout ça, hein, mais bon. Va falloir que ça se prépare. J'en ai parlé avec Pablo. Bah, du coup, Pablo m'avait parlé d'une location, d'une localisation, de leur labo de maître. Nous, quand on faisait nos caisses, on a déjà vu à peu près, on sait à peu près où est-ce qu'elle est la zone. Donc. Il me semble que Pablo a vu avec vous pour nous la monnayer. Après, ça a été mis en stand-by avec les étasses, du coup. Pas ouf, hein. Il y avait un problème avec les étasses, tout ça, donc il m'avait dit que c'était en stand-by. Donc là, nous, en attendant, nous, on est en train de chercher, là, à l'heure actuelle. Hein. Quand je vous dis ça, c'est tout de suite, là. J'ai un gars qui est dans le nord en train de zioter ce qui se passe là-bas. Mm-hmm. Donc on va chercher ça. Moi, mon plan, c'est simple. Pour l'instant, l'autre, je laisse croire que je vais lui vendre... Ethan. Oui. Son homme malin ne parle pas trop. C'est le seul conseil que je t'offre aujourd'hui. J'en ai parlé à personne, j'en ai parlé qu'avec d'autres de mes gars. Ne m'en parlez pas, je tiens un business concurrent du tien. Tu comprends que c'est enregistré, et c'est pas les respect que j'ai pour Kim que je te donne ces conseils. Merci. Aujourd'hui, rien ne m'empêche de me mettre dans un buisson en face pour terminer ceux qui sont à l'agonie. Ouais, c'est clair. Donc ne m'en dis pas tôt. Ok. Si tu veux. Pas de problème. On peut en discuter. Pas forcément des détails, mais si tu as besoin. Et c'est vous qui décidez. On peut envisager des choses. Passe-moi voir la villa si tu veux. La villa ? Comment ça la villa ? 50 et 18. 50 et 18 ? D'accord. Tout de suite. J'arrive. Tu veux, je t'expliquerai ce qui s'est passé avec les états hier. C'était un peu chaud. J'ai que comprendre qu'ils sont débiles, qu'ils t'ont insulté, que c'est parti en couille. Bon, et toi, vite. Peut-être pas en termes d'armes. Alors, ils ont voulu mettre un coup de pression à Tim, mais Tim n'était pas en tenue et ils savaient pas que c'était un membre de la mano. Ah, c'est à Tim, donc c'est à toi. Mmh. Et ils ont dit à Pablo que c'était un pauvre con. Donc. Tout est vite, c'est bon. On en parlera après. Comment allez-vous ? Ça va bien comme un lundi. Vous déménagez ici ou quoi ? Si, lundi. Si, on déménage la villa. Bien. Ah, c'est bien. Toujours bien. Ici. Deux bâtiments, une piscine. Pas mal. C'est plutôt sympa, non ? Ouais, carrément, ouais. Bon, on est en plein déménagement un peu compliqué. Ouais, je vois ça. Les conseils... Je peux repasser plus tard. Non, je voulais juste te donner un conseil. Les conseils que je peux te donner, c'est de faire attention à ne pas trop parler. Yang a ses problèmes. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on ne vous considère pas comme des concurrents, c'est que vous avez une tendance à. Vous êtes gentil et vous parlez beaucoup. Pas respect pour qui, mais j'espère que ça va aller. Y a pas de raison, il y a le bon médecin, Los Santos. Ne dis pas tout ce que tu vas faire. Par contre, ce qui vous est arrivé, ce que vous allez en faire, c'est comme ça que vous serez traité à vie. Donc si tu ne réponds pas aux attaques que vous avez eues, alors vous continuez à dépendre de tout le monde. Maintenant,
Si vous souhaitez acheter les informations, pas les soucis. C'est possible. Ça ne me dérange pas. Ils avaient qu'à peut-être mieux cacher leurs installations. C'est exactement ça. Après, on sait déjà à peu près où c'est. On les a déjà vus une fois. Maintenant, si tu es tout seul, c'est compliqué. Non, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. On est 4, voire 5. Avec ce que je suis en train de mettre en place, normalement, ça devrait largement suffire. L'accès rapide, efficace et sérieux. Lourd, léger, professionnel. Je pense qu'à un moment donné, les cartels vont tomber dessus, je pense. Faut pas avoir fait des longues études pour voir qu'ils déguisent leur gang en petites mains. Ce qui fait qu'à un moment donné, à force de déguiser les petites mains en gang, les cartels qui nous a indiqué que c'est pas plus de 10 pour tout le monde risque de taper dedans et là les verres et... en tout temps je sais pas, peut-être que ça n'arrivera jamais. Maintenant, si tu souhaites l'information, c'est possible. On peut, je vais essayer d'y contribuer. Écoutez, moi ce que je vous propose, je vais voir ça avec mes gars là. On va en discuter et puis je vous appelle dès que c'est bon. Est-ce que c'est ok pour vous? Pas de soucis. Ok, bah parfait. Au besoin et vous appeler, c'est possible. Et si je suis pas là, vous appelez mes gars. Ok? Ok, pas de problème. Pas de soucis. Bah merci beaucoup. Et bonne journée, Tan, à bientôt. Bonne journée, monsieur dame. Bon courage pour l'aménagement du coup. Un jour, ça arrive que je suis dans les comas. Pablo aussi. Et que du monde tente de vous souiller. Tuez-les tous. Exterminez-les jusqu'au dernier, chassez-les. Cachez-vous dans une buisson et tuez-les par un groupe de trois. Faites exploser leur véhicule, prenez-en à leur famille, à leurs petites mains. À tout ce qui est cher à leur cœur. Voilà ce qu'il faut faire quand en face. Et pour aller dans pour dans. Satan n'est pas te respecter. Je ne comprends même pas que Little Seoul qui vend des armes soit pas capable de se pointer avec 4 putains de AK-47 et de commencer là, juste à commencer à ouvrir la gueule comme des merdes, à tout faire péter. Les états c'est réglé, hein. C'est bon et c'était bien résolu au final, on devrait même gagner de l'argent dans l'histoire. Ouais. Il y en a un qui a dit à Tim de faire attention à qui il parlait, sauf que lui-même ne savait pas qui s'adressait à Tim de la mano. À cela, Tim lui a mis un coup de pression, mais ne s'est quand même pas présenté. Et puis, du coup, quand Tim est venu nous raconter ça au quartier, on a décidé d'aller rendre visite aux Etas. Donc, on est allé chez eux, dans leur quartier, comme on a l'habitude de faire. Et de ce que j'ai compris, Vigo est un peu monté sur ses grands chevaux et il n'a pas apprécié notre démarche. C'est monté en pression. Il a commencé à sortir son 9mm, donc nous on a sorti les Uzi. Le dialogue est resté assez fermé et au bout d'un moment il y a un pauvre con qui est sorti et qui était destiné à Pablo. À partir de là, tout le monde a ouvert le feu et on les a tous couchés. Suite à ça, à cela, dans la soirée, il y a une autre discussion qui s'est faite à l'unicorne entre Pablo et Vigo. Et du coup l'histoire s'est conclue par... je pense qu'ils sont prêts à refaire du business avec nous. Monsieur Miguel. Seigneur Vigo, comment ça va? Oh, en plein déménagement. Ah. J'allais vous appeler après le déménagement effectué d'ailleurs. Ah, moi j'essaie d'attraper le week-end pendant que je pose mes valises dans ma nouvelle villa. Juste, oui, bien sûr. Ah, vous déménagez aussi? Pas un peu de hauteur, comment dire que... On évolue, vous savez, à un moment donné, on sort d'un quartier, on sort de la pauvreté. On évolue avec cette pauvreté pour aller dans une autre standing, une autre façon de faire. Moi, je l'avais noté avec votre nouvel accoutrement. D'ailleurs, il vous va très bien, ce costume. Si, on dit que ça fait plutôt stylé. Ça me va. Oui. J'en ai même plusieurs modèles selon ce que je vais faire. Oui. Oui, du coup, vous avez pu récupérer les... quelques actions de ce week-end. J'ai des bouts d'informations, j'essaie de comprendre comment on en est arrivé là. Disons que
une accumulation de faits ont mené à une résolution non pacifique d'un conflit, mais je crois que nous avons pu trouver, in fine, avec M. Pablo, un terrain d'entente qui ouvrirait à ce que nous refassions plus largement du commerce à l'avenir. Il n'y a pas eu de problème historiquement, les problèmes entre les États, c'est les manos. Mais oui. Tant que ce qu'on a convenu ensemble continue comme ça l'est, tout va bien. Tout à fait. Maintenant, les questions, c'est peut-être qu'il faut que tout le monde se détende un petit peu sur les questions des... Mais qui parle à qui, comment, etc. Peut-être qu'à un bien moment sûr. Donné, il faut que certains essayent d'éviter de faire le show tout le temps. Mais ça vaut de tous les côtés. J'en suis bien conscient, Monsieur Miguel. Et ce qu'a fait mon gars, Monsieur Tim, évidemment que je l'ai réprimandé, ce n'est pas la notion de respect telle que je peux la concevoir entre nos deux groupes. Vous avez l'air du mal à respirer. Il se peut que, parmi les 6 balles que j'ai reçues hier, une ait perforé mon poumon gauche. Et puis, je souffre depuis mon plus jeune âge d'asthme, ce qui peut aussi expliquer cela. N'hésitez pas à voir les médecins des EMS. Bien sûr. Ils pourront peut-être faire quelque chose pour vous, j'espère que vous rétablirez entièrement. Bon, je pense que d'ici quelques jours, je devrais être de retour sur pied. J'espère que vous voyez bientôt, Monsieur Vigo. Et vous déménagez où? Ah, vous connaissez la vallée des Cunus. Ah, les villages des Cunus en hauteur, ouais, avec que des gens qui ouais. galèrent. Mais oui. Un endroit ridicule où personne n'y habitait là-bas. Exactement. Et vous déménagez où? Eh ben là-bas. Vous me disiez prendre de la hauteur. Je crois qu'on prend un peu plus de hauteur. Et là, vous prenez aussi les Cunus, non? Ah, on a quelques voisins, mais je crois qu'ils se sont un peu habillés pour l'occasion. Ah, à voir par la suite. J'hésite si je dois venir vous faire une visite des courtoisies là-bas. Mais bien sûr, mais vous pourrez venir une fois qu'on se sera installé. Oui, mais j'ai peur quand même qu'ils viennent avec leurs zizi, mais voilà. Bah, j'essaierai de les habiller avant votre venue. J'ai préféré que vous habillez. C'est pas trop un copain pour ceux qui aiment les films. Oui, j'ai cru comprendre ça, mais. Pour le moment, ça va, ils se tiennent plutôt tranquilles. Bon, tout va bien. Je vous laisse tester pour moi et vous me direz. Très bien, monsieur Piquel. Je vous en prie. À bientôt, seigneur Vigo. Bonne journée. À bientôt. Seigneur Benson. Yo, man, on est chez toi dans 2 minutes, j'espère que t'es là. Et chez moi dans 2 minutes et j'ai en train de... Près de chez Marc, oui. Oui, bien sûr, près de chez Marc. Je suis en train de, comme je vous l'avais dit au téléphone, de faire le déménagement. Pourquoi il y a 15 000 personnes devant une supérette de merde? Ah, c'est le nouveau système, apparemment, tout le monde vend dans les supérettes, ouvre tout des marchés publics, etc, etc. Non, d'accord, mais moi je récupère Marc, je suis chez toi, là. Oui, ben je suis là dans j'étais à la villa, et j'arrive dans combien de jets de temps devant moi? Bah là, je suis devant Marc, moi. Vous êtes devant Marc? Oui, je suis devant Marc. Ah, vous êtes devant Marc, seigneur Benson? Oui. Et je suis là dans 13 minutes? Ah ouais, maman, c'est pas vraiment. Ouais, okay. Maman, dépêche-toi, ouais. Je suis à fond et toi taquet, comme disent les jeunes. J'espère bien, maman, ouais. Si, maman. J'arrive, bien entendu. Ouais. J'ai pas tout, ouais. J'ai votre argent. Bah, très bien, mais dépêche-toi. À la générale, les Benson est devant Marc et ils cherchent où on est tous passés. On fonce. Ça fait un peu peur les grilles dans les ventes quand même. J'ai pas le temps. Tout va bien? Ça va, les Soubert. Je suis désolé de vous avoir tapé dedans, je tiens à m'excuser. C'est plutôt moi qui vous ai tapé dedans. Impeccable. Donc je suis vraiment désolé, tout impeccable. Va bien pour vous? Super. Vous oui, non, tout va bien, impeccable. Oui, très bien, bah excusez-moi du coup. Je vous en prie, les bonnes journées, à bientôt, au revoir. Aussi, au revoir. J'ai peut-être explosé une voiture des polices, mais tout va bien! Ils se sont sucés! Tout est parfait. Tout est super génial! Voilà. Allez-y, le chef attend. Merci. Seigneur Benson,
Comment vous allez? J'étais entendu. Vous êtes, en beauté. Ça vous va très bien. Vous êtes, vous respirez les bien-être et les joies de vivre. Ou la criminalité et la dureté. Tu continues de me lécher les couilles ou on arrête tout de suite? Et c'est comme vous voulez. Bah justement, je te demande d'arrêter, ouais. Et j'arrête. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. Ils ont changé de tenue, tes gars? Et si, et on a acheté un petit appartement, une villa en fait, c'est une villa, et un peu plus sur les hauteurs, et c'est pour ça que je vous avais demandé si c'était possible. Et les pouvoirs les amener mal qu'avec nous, vous m'avez dit que j'ai fait ça qu'une fois et pas deux, sinon après ça se passe mal et ça va me coûter 1 million. C'est exactement ça, ouais. C'est votre argent. Ouais, bon, c'est bien. Là. Et non, cette année que vous soyez là, je me balade pas avec 1 million de dollars, imagine comme les vols. Ah, ça c'est un con, hein. C'est pour ça que j'attends que vous soyez là. Ouais, on est d'accord, ouais. Si. Par contre, ouais, est-ce que c'est Marc, possible? Il faut l'habiller comme les gars, c'est possible? Ah ouais, bah donne-lui 5000 balles, on va passer au magasin, ouais. Si je vais les donner en plus, je donne donc 1 million et 5000 dollars. Bah non, mais paye Marc maintenant, comme ça on passe au magasin tout de suite. Ah oui, je lui donne 5000 dollars. Ou 2000, je sais pas, si, moi, combien ça va coûter cette Je pense 1000, attendez, je pense que ça coûte 1459 dollars. Ouais, bah, mets ça alors, c'est bien. 1459. Voilà, je donne à Mac. Tiens, Mac, tu prends l'argent pour une fois. Ben oui, bien sûr que Mac, il prend l'argent. Si. Ça va, Mac? Tu es bien traité avec nous? Dis au Seigneur Benson que ça passe bien avec nous, non? Seigneur Benson, il parle souvent comme ça, Miguel. Il m'ennuie, hein. Ah, d'habitude, il ferme sa gueule, c'est mieux, en fait, et non. Donc, hein, je disais, Simon, des fois, faut tout fermer ta gueule, hein, ça suffit, non? Est-ce que c'est toi, tout de suite? Je m'excuse, tout à fait. Tu m'étonnes. Excusez-moi. Je vais chercher votre million. Ben ouais. Si, moi, avec... tu me laisses un de tes gars. Si c'est possible, vous voulez que je laisse qui? Ben, quelqu'un qui a la même tenue pour que je puisse voir quelle tenue je dois mettre à Marc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je Parce sais que pas si quoi. Je me trompe sur les chaussures, tu vas encore me faire chier avec ça et je vais pas changer toutes les chaussures de tout le monde. Écoutez, non, je vais pas comme ça. Tout va très bien. Et je sais pas, les garçons, l'un de vous va avec le seigneur Benson? Non, mais il nous suit, on va s'arrêter à un magasin, ouais. Voilà. Il y a un magasin sur la route, là, à côté de mon compétence, tout au bout. Je peux y aller, Miguel, si tu veux. Non, on va envoyer Simon. Simon est tellement fatigué que de toute façon, il va y inviter. Adieu, Simon! Ça m'a fait plaisir. Ah oui, il a droit à un bisou. Si, j'ai fait même deux bisous, c'est bon, allez, adieu. Et después, et vous voulez que je dépose les sous où? Ben, tu les prends avec toi. Si. Et puis, tu nous rejoins à la villa. À la villa. Si, on fait ça. Bah, allez. Et on y va. On va chercher banque, sous, villa. On y va, Marc, on bouge. Les clés, bah, les clés de ma caisse. Vous suivez avec une bagnole, ouais. On va voir s'il y a 1 million dans les dabs, non? Y a-t-il 1 million dans le dab? Je te dis. Oui, il a fait 1 million dans les dabs. Oh putain. C'est lourd. J'aime beaucoup ces panneaux. Moi aussi. Collins Import Export. Ah, il est beau comme ça. Ouais, on lui a mis un petit béret, c'est sympathique. Eh bien, oui, le béret, c'est bien. Attends. Gamin, viens prendre l'embrouillon. 1 million de dollars. D'abord, pour l'instant, il regarde la supérette. Pour compter. Mange bien pour moi, Marc, attends 2 secondes quand même. Bon boulot, Marc, à la prochaine, à toutes. Bon, allez, les man, une bonne journée, à la prochaine. Merci, Seigneur Benson, à bientôt. Avec la petite plante qui lui cache son visage. Tu fais plus le malin quand y'a plus Benson, enculé! Est-ce que c'est le moment, Mike? Non, c'est pas Mike. Oh, pardon. Oh, mais c'est compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué. Juste, j'avais pas eu le temps de plonger dans ma propre piscine. Pardon, Miguel. Y'a Simon, j'ai fait une petite tête dans la piscine pour voir les vieilles. Il fait, je suis pas sûr que c'est le bon moment, Mike! Je faisais pas Mike. Et là, il me fait. Pardon. Juste après, il est parti. Mais... Allez, salut. Parce que si t'es là tout le temps, tu prends toutes les bagnoles et puis comme ça, c'est réglé. Appelez-moi garage public. Ouais. Je vais aller me coucher. Jeanne. Ah, c'est chaud ça. Jeanne, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Il y a des choses à faire dire. C'est super sale. Oui.
Appelez-moi garage public, c'est pas possible, Jade. C'est non. Oh merde. Il va me manquer un peu ce quartier, c'est ce que je disais. Et en même temps, la villa, c'est tellement différent. On est toujours attaché un peu à ses racines. L'évolution, les standings, ils montent. Maintenant, on sait d'où on vient, on sait où on va. Tant qu'on sait où on va. Après, moi, tu sais, pendant longtemps, j'étais numéro 2 des Vagos. Ah bon, j'étais dans les comas. Mais il y a longtemps, j'étais celui qui s'occupait de la meilleure armée des Vagos. Une vraie famille. Et puis un jour, les familles m'ont envoyé dans les décors et j'ai passé 6 ans dans les comas. Et j'ai tout perdu. Celui que j'ai considéré comme un père, qui est aussi un chef. Mon frère Inigo, ma femme, je me suis réveillé 6 ans en paix, plus d'amis, mon ami Foub, je te le souhaitais pas, ce moment où tu te réveilles et on te dit que ça fait 6 ans, les gens ont changé, sont partis, et tu dois tout recommencer de zéro. Où on te dit reste à ta place, petite merde. Et tu montes. Tu veux parler des bas-fonds et aujourd'hui on achète la Villa Collins. L'évolution, Jade. N'oublie pas de où tu viens, qui tu es, qui t'es famille. Important. Monsieur Miguel? Oui, elle écoute. J'ai un très cher Victor Rousseau des Phoenix qui me dit, me demande si vous êtes là afin de discuter de la fin du marché qu'ils avaient avec vous. Le marché avec moi? Comment ça? Apparemment, je sais pas. On casse les couilles. Les Phoenix, marché avec. Les anciens Vespucci, du coup. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui. Je lui dis ce soir, je lui mets pas de date, enfin, je lui dis pas d'heure comme ça. Le Seigneur Miguel sera disponible ce soir et tenez-vous disponible ce soir, point. Seigneur Chin, comment allez-vous? Oui, bonjour, je suis Miguel, comment allez-vous? Écoutez, ça va bien. Ça va plutôt bien, les affaires fonctionnent bien, donc ça va. Je vais vous appeler pour savoir déjà comment ça s'est passé, vu que j'ai vu que vous avez un concurrent, LS Custom. Oui, c'est ça. Vous avez pris les marchés des customisations des performances. Exactement, c'est bien. Ah, ça. Les petits enculés. Ça va aller pour vous quand même? Oui, on va faire en sorte que ça aille, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Mais tant mieux. Je vous appelais pour savoir si on pouvait arriver à un compromis des espèces d'abonnements pour l'ensemble de l'amado et les réparations. Tout à fait. On en avait parlé, je commence aujourd'hui la comptabilisation. À chaque fois que quelqu'un vient réparer une voiture, je compte. Mm-hmm. Et d'ici 2-3 jours, j'aurai un peu la moyenne sur une journée. Et ainsi, je vous fais un tarif pour la semaine. Impeccable, bah allez. Et si jamais ça monte à 60 000 ou 70 000, et c'est les prix, et puis c'est tout. Je pense qu'on sera approximativement dans ces eaux-là, oui. Pas un problème. Je veux être sûr avant de confirmer pour ne pas vous surfacturer ou à l'inverse vous surfacturer. Super, ben on fait ça et on se tient au courant mercredi ou jeudi. Pas de problème, on fait ça. Allez, balle et bonne journée à vous, Seigneur Chine, à également. Bientôt. Au revoir. Ouais. Ethan. Miguel, excusez-moi de vous déranger. Je vous écoute. Je vous appelle par courtoisie pour vous annoncer le décès de Monsieur Kim. Je sors des EMS à l'instant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Ethan? Pour l'instant, rien. Je vais avaler ça et puis je vais faire le nécessaire. Au niveau de l'enterrement, Ethan, tu fais tout ce qu'il faut. Si tu as besoin d'aide pour le payer, je paye. Merci. Enterrement? Je me tiens au courant. Merci, Ethan. Au revoir, monsieur Miguel. Monsieur Miguel, c'était LS. Qui m'est décédé? Mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, j'ai réglé la température de l'eau sur le tente. Ah, parfait. Tout le temps en tente. Aïe, aïe. Ça a dû faire mal. C'est toute une technique. Et Simon, il y arrive bien. J'ai glissé. On a fait par un nouveau Yata pour sauter. Vas-y, je suis en chercheur. Si va chercher. Non, la pelouse. Non, mais pas la pelouse. J'ai passé par l'extérieur. Tu fais doucement, parce que sinon on va pouiller la pelouse, ça coûte cher l'entretien. Je sais, mais je vais passer par l'extérieur, t'inquiète. Ah, il fait tous les tours. C'est malin ça. Mais oui, il a raison.
Elle est pas très profonde aussi. Non, non, plongez pas la tête la première. Ta clé dans l'eau. C'est compliqué. C'est compliqué. Attention, boss. Oui. Je vais le bouger. Merde. Mais. Oh non. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai. Bah. Un problème. Mais non. Mais. Ah. Allô. Oui, quand même. J'ai eu monsieur Benson au téléphone aussi. Et vous avez dit quoi? Il a dit que vu que ça bosse bien, Los Santos, il nous autorise d'être 12. Ah. Pas mal ça. Un peu, il a parlé de me buter, de me brûler, de faire plein de trucs avec moi. Moi, je lui ai dit, faut pas s'énerver quand même. Il m'a dit ça, c'est si tu m'écoutes pas. Seigneur Palnas, comment allez-vous? Bien et vous? J'ai vu que vous avez essayé de me joindre. Ben oui, vous savez qu'il y a une petite soirée à la ferme. Comment ça, une soirée à la ferme? À la villa. Ben oui, l'inauguration de la ferme. Mais j'ai pas été invité, si. Ah si, tout le monde était invité, Waze News. J'ai pas, j'ai lis pas la presse. Donc, et... à 21h... À quelle heure? Allez, 20... Ben, maintenant. Ah merde. Pourquoi? On va terminer, on arrive. Ah mince, c'est cool. Si j'ai le temps, je vous envoie un message selon là où j'en suis, mais... Je vous avoue que ça sent pas bon. D'accord. Bon. On se tient au courant tous les deux. Et de tous les... Au pire, les camps se voient tout à l'heure à ma nouvelle propriété. Oui, bah, de toute façon, on se rappelle de la soirée. Pas de soucis, à plus tard. À tout à l'heure. Je sens que ça va être une soirée dite normale. Tout va bien. Ça va bien s'est passé. Pas d'imprévu, que de l'amour. Hello, Miguel. Mon petit lapine. Alors, comment c'était? J'ai appris pour ton frère, je suis désolé, Tim. Mon cousin. Ah, c'était ton cousin. Je suis désolé, ouais. Tim. Voilà. Merci. Je vais pas te mentir qu'on a eu une perte, nous aussi. Qui m'est décédé. Ah, ici, ici aussi. Bonsoir. Ah, le phénix. Bonsoir. Exact. Bienvenue chez moi. Bien, bonsoir. Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que vous voulez vendre les business. C'est surtout pour revenir sur les termes du contrat que vous aviez eu avec Sarah à l'époque où on avait le groupe a été recréé avec les conditions qui avaient été mises. Donc point de vue des Komoda qu'on avait déjà accompli et par rapport pour la tête de Payne, Ethan et Alistair. Pour Alistair, on vous a déjà mis au courant. Et pour Ethan, on a appris il y a quelques jours qu'il a été mort dans son coma. Et Payne, puisqu'il est complètement déserté, malheureusement là-dessus, on ne sait rien faire. D'accord, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Bah, c'était pour vous dire qu'on... Ah, c'est juste vous rapporter le message comme quoi vous bossez bien. D'accord, c'est tout. Les petits c'était juste pour vous prévenir que de notre côté, tous les points que vous nous avez demandé a été accompli. D'accord, et vous étiez là en mode pitié, ne nous tuez pas. C'est une belle idée, quoi. Bon, impeccable. Et vous venez me faire une commande en plus, non? Malheureusement, actuellement, on n'a pas du tout l'argent pour geler de sincère. Comment ça? Et vous bossez pas? Si, si. Ah, si vous bossez, vous avez des sous-clients, donc vous pouvez grossir et me faire une commande d'armes pour aider les personnes. Apparemment pas. Ouais. En fait, à l'heure actuelle, on n'a pas les fonds pour faire une commande d'armes ou quoi que ce soit. Donc voilà. Oui, mais si vous bossez. Il y a des sous. S'il y a des sous, une commande. Oui, certes, on a des sous, mais pas assez pour pouvoir faire des commandes d'armes. Donc vous bossez pas. Ben, si vous bossez, mais pas beaucoup, quoi. C'est le minimum. Ben, on essaye de remonter la pente, donc oui, parfois c'est pas facile de bosser à 100% comme vous pouvez le faire à l'époque. J'imagine. Vous faites quoi, ces fêtes-là? Vous vendez de la drogue? Oui, plus parfois quand on y arrive, des supérettes aussi. Mais je vous conseille d'aller voir peut-être et vous connaissez les... Monsieur Vigo? Oui. On a déjà vu avec eux. Impeccable, je pense qu'il vous fait un très bon prix pour vous aider à remonter la pente. Bah, il faut bosser. Oui, c'est sûr. Et recruter. Pas de soucis, bah écoutez, je vous donne une gommette. C'est bon, non? Merci bien.
Mais oui, tout est nickel. Nous, on voulait juste transmettre le message. Ouais, non, mais c'est bien, Bégam. Y'a plus de soucis là-dessus. Ouais, c'est bien. C'est juste qu'on soit clair. N'oubliez pas, Odette, et puis... pour votre commande qui sera faite d'ici peu de temps, vous pouvez proposer un Uzi. Mm-hmm. Ouais, fusil à pompe. J'aime bien ça. C'est quoi à peu près le prix d'achat plus ou moins. Pour un Uzi, pour un fusil à pompe et un pistolet? Boss. Ah, mais non, parce que moi, t'étais parti sur une présentation, je me suis dit, ça y est, il est parti en mode commercial des folies. Donc moi, j'étais là, j'attendais que tu continues les... Ok. C'est pas moi quand je joue d'habitude. Mais sûr. On va devoir des petites descriptions sur les armes. Des descriptions sur les armes. Bah, quitte à être en mode téléachat, autant en profiter. Si, moi, je peux vous faire des descriptions sur les armes. C'est pas un souci. C'est mon métier. Les Uzi. On peut commencer par les Uzi. Vous savez où ça vient un petit peu, non? Pas du tout. Un pistolet mitrailleur semi-automatique, développé en Israël par l'ingénieur et en armement Uziel Gal, vers 1948 à peu près. Fabriqué par l'entreprise de défense qui s'appelle Israel Military Industry, YMI. Mm-hmm. Voilà, plusieurs dizaines de millions d'exemplaires dans toutes les versions. C'est en fait une espèce d'inspiration d'un pistolet mitrailleur tchèque, les SA-23 et les SA-25. Après, dedans, vous pouvez mettre du 9mm Parabellum, du 45 ACP ou du 22 Longif. Ça dépend en fait des versions, ça dépend de ce que vous voulez mettre dedans. Mm-hmm. Voilà. 45 ACP, ça doit faire des trous. Ça fait quelques trous. Il faut compter à peu près, non chargé, à peu près 3,4 kg. Une fois chargé, ouais. À peu près 4,1 kg. Longueur du canon, okay. 260 mm. Le deuxième, c'est une espèce de fusil de canoncier. En fait, c'est plus un fusil à pompe en mode canoncier. Mm-hmm. Ça passe mieux dans les vestes et c'est surtout une ouverture de dispersion au niveau des balles. Et après, des courtes portées, vous êtes sûr de blesser. Les cônes de diffusion ouais. Beaucoup plus larges. Ce qui fait que lorsque vous mettez un coup de fusil à pompe dans un lot, des fois une balle suffit pour coucher tout le monde. Bah, vous imaginez, si je vous prends en sandwich comme ça... Voilà, même moi, je pense que... On est petit et... Oui, voilà. Au niveau des tarifs, vous voulez tous les catalogues? Oui, comme ça on a directement oui. Tout. Pas de soucis. Et les zip ties, j'envisage et on est 20 et un peu express. Ok, ok. C'est étrange ça. Pardon? Et Jade, appelle le numéro que j'ai vu te dire. Tu dis c'est Conald et pas me rappeler. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il veut. Donnez-moi. 94 96. Quelqu'un qui me demande si. Dégage, tu appelles gentiment. Va un peu plus loin. Et pour les commandes. Ça peut être effectivement intéressant. Mais après, ouais. Comme je l'ai dit à Mademoiselle Jade, je suis plus le porte-parole puisqu'elle a pas pu être là. Donc je transmets. Si t'en avais une, parce que sinon Je viens de recevoir un message Miguel me disant qu'il y aurait ta femme qui te recherche. Ok, bon, je crois qu'on va écourter la visite. Ok, très bien, vous avez pas touché. Si. Bon, vous soltez toutes les armes, vous barricadez la maison. Et je vais aussi à l'accès tout de suite au complexe nucléaire, vite. Et c'est un problème là. Là, c'est une putain de problème. Je l'ai au téléphone. Ah merde, tu le dis pas que j'ai débarricadé. A bientôt. Allez. Les Phoenix, et faites une commande, c'est bien, venu. Non mais quand tu dis ma femme... C'est un plaisir. C'est ce qu'elle m'a dit. Dis-lui que c'est une connasse. Je suis une connasse, nickel. Dis la personne qui ne s'est pas qui m'a pas appelé quand elle s'est réveillée. Je suis bien dans elle la merde. Elle demande où vous êtes. Une femme. D'accord, et c'est une connasse, elle a répondu quoi? Que elle va sûrement vous péter la gueule. La merde, c'est elle. Ah ça c'est la merde quand même. Ça, c'est... Bon, Milo c'est la merde. Sont... Je lui dis quoi, monsieur Miguel? Elle est où? Et rejoins-nous derrière après. Vous êtes à l'aéroport? Elle était au MS, monsieur Miguel. On va venir la chercher. Ben ne bougez pas, nous arrivons. Elle est où là? Aux OMS. A tout de suite. J'hésite encore, si je les tue tout de suite, on a la liberté, on est tranquille. Vous n'avez pas tué votre femme, Miguel? Sinon, elle va vouloir se mêler de tout, elle va nous casser les couilles. J'hésite. C'est ta femme? Oui, mais bon. Tu sais, mélanger les culs et les boulots, c'est pas pratique. Tu vas voir qu'on va faire la déco des tout, et là, les tenues, c'est pas bon, et les fusils, c'est pas les bons. Ça y est, tout, c'est la merdique. Bah, et du coup, la règle, no job, in job. Ah bah là, ça va être compliqué. Ah bah là. Non, en vrai, c'est que je suis un peu. Stressé. Vous devriez vous changer. Mais j'avais pas vu depuis. Depuis ton accident? Depuis 6 ans. Et demi, 7. Ah ouais.
Il faut que je fasse quoi? Bonjour. Déjà allé la voir. Mettez votre costard blanc. Les blancs. Oui, parce que c'est censé être un événement joyeux, non? Oui, oui, c'est. Je sais pas. J'ai un doute, mais que ça dépend ce qu'elle veut. Et j'ai peut-être pas la faire trop patienter, si. Tu la l'appelles, tu dis qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce que... attendez, j'ai Balthazar qui m'appelle. Ah non, mais pas lui, mais on est mute, lui, ça va plus vite. Dans le doute, mais le gris, hein. Ah non, le gris, c'est le business. Non, 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 le blanc. Le blanc, le blanc, le blanc. Ça, le blanc. Le blanc. Faut que vous accueilliez votre femme avec joie et. Hannibal, il va t'attendre à m'appeler, c'est pour la comète. Et là. Je la rappelle, du coup, Miguel. Oui, juste, c'est savoir, gentiment, vous dites, il y a Miguel, il demande, qu'est-ce qu'elle veut? Peut-être savoir pourquoi il ne m'a pas appelé quand il s'est réveillé, alors que j'étais 3 ans à son chevet, peut-être. Je vais l'appeler. Il vous rappelle. Là, je pense qu'on va être tout petit. Allô? Oui, allô? Ah, voilà! Ça y est, je le savais! T'attends que je parle pour le parler, toi! T'as pas changé d'une seule goutte, hein? Oh, mais tu veux qu'on se batte ou comment ça se passe? Mais non, on va pas s'effaiter, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? D'où? Ça fait 3 ans, moi j'ai aucun message! Je me réveille tout seul dans une putain de ville solo! T'es plus là, plus personne n'est plus là! On me dit, votre femme, ça fait longtemps, elle vient plus! Tu vas baisser d'un ton direct parce que je viens d'aller aux VMS, je me suis tapé la honte de ma vie! Pourquoi la honte de ta vie? À chercher un mari en fait qui était légèrement dans le coma, qui n'y est plus. Bah, j'ai plus. Bah, oui, bah, j'ai pas ton numéro. J'ai essayé l'ancien, ça marchait pas. On me dit, elle est au Mexique, elle se donne la pilule avec sa soeur, du youlou. Non, mais t'as le bras long comme Jaja et t'as pas essayé de me contacter. Mais si, mais j'ai essayé au Mexique, je suis même parti en vacances au Mexique cette année, mais j'ai pas trouvé. Oh, t'as vachement fouillé, hein. Oui, j'ai fouillé un peu. Un peu. Entre la sieste et les petits parasols. Voilà. Non, mais ça si. Ça fait un beau château de sable, quoi. D'accord. Bon, je vais venir te chercher alors. Bah, ce serait peut-être sympa, oui, parce que j'ai une vieille punto de merde que je vais bientôt éclater, donc oui. Question 1, est-ce que tu es venu pour me tuer? Non. D'accord. Question. Oh, j'hésite. Non, mais comment ça, t'hésites? C'est pas la première question que j'aurais. T'attends à quoi? Ne quittez pas, j'ai dit. Connaissant M. Miguel. Les garçons, je veux tout l'almada, fusil à pompe et au cas où les usines. Ouais, vas-y, et... voilà. Mais je sais que tu m'entends, ah là va, on arrive, je me change, j'arrive. Ça marche. C'est juste que comme c'est un peu la galère en ce moment. Oui, c'est bien. C'est où j'habite dans une espèce de terrain vague avec une tiny house. Ah, mais c'est bien les tiny house, c'est pour le minimalisme. En stock, en sobriété. Ah, ça, t'as pas changé là-dessus, par contre. Non, du toujours coup, sobriété. Je vous pose la question au cas où, mais... Je vais lui dire. Vas-y. Tu es venu pour quoi? À la base, tu te retrouves à l'hôpital. Ouais, je suis encore. Pour revenir à ton chevet. Ah! Mais t'étais passé où ces dernières années? Je viens te récupérer. J'étais buté quelques mecs au Mexique. Oui, pour aider Inigo et Rose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Bah, Inigo a monté un resto et s'est mêlé dans les mauvaises histoires. Bon, on arrive. Ça marche. Mais d'un seul coup, il y en a 3. Il y a 3 bagnoles. Maintenant, vous êtes 6. C'est... Vous vous reproduisez, en fait. Mais jamais elle est contente. Voilà, je le savais. Je le savais. Jamais elle est contente. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Voilà, elle est pas contente. Et bonsoir. Chérie, je te présente les... Où est Pablo? Bonsoir. Il a bouffé déjà? C'est toi qui as bouffé, Pablo? Non! Ah non, non, moi j'ai rien fait. Hein. T'as bouffé le second. Elle a bouffé le second. J'ai T'es rien certain, fait. Il s'est fait bouffer. Non, une visite de contrôle pour les balles qu'il a pris. Ah, il fait la visite de contrôle. Bon, t'as aidé faire la tête? Tu m'as attendu 3 ans, j'étais pas trouvé à paix, tu m'as pas trouvé, j'étais dans le coma, je suis revenu. Je vais te raconter l'histoire. Je présente. Lenny. Ah. Enchanté. Ça, c'est ma doublure. C'est Mike. Comme ça, si jamais quelqu'un veut me tuer, j'envoie Mike. C'est pratique. Juste derrière, là-bas, il y a Milo. Tim. Bonsoir. Hannibal. Enchanté. C'est le meilleur pour faire tout ce qui est... Dès que t'as besoin que quelqu'un y parle, t'envoies Hannibal. Il fait les tortues comme personne. Intéressant, ça. Ça, c'est Jade. Enchanté. Oui, j'ai eu au téléphone, tu sais, quand t'étais trop occupé pour me répondre. Non, j'étais pas trop occupé, j'étais en train de parler des ventes d'armes. C'est normal. Et después, il y a Pablo. Mais Pablo, il est dans les... J'ai pas visité, c'est un nouveau centre médical, ça? Oui. Mais c'est génial, ici. Il a été déplacé, il est très joli. Et Pablo, c'est mon second, il mange un peu des gens. Bah, la bonne ambiance, quoi. Oui, tu fais, on fait une bonne ambiance. C'est toujours comme ça. Et donc, en fait, Inigo, il avait des problèmes et on... Oui. Bah, il a créé son business et à un moment, il m'a appelé, il m'a dit... Enfin, c'est Rose qui m'a appelé. Et elle m'a dit, écoute, faut que tu viennes, sinon ça va finir en bain de sang. Bah, j'y suis allé, c'est moi qui ai fait le bain de sang. Oh là là. Mais ils vont très bien. Tous les gars. Ils élèvent des kiwis maintenant. Sorti des EMS. Ils élèvent des poulets? Oui, ils ont plein de kiwis. D'accord, donc il a plus les restaurants, il élève des poulets. Non, il fait les deux.
Mais ils donnent les restaurants bah, proposent a, quoi à manger du poulet. Il y a des fois il y a des kiwis qui sont un peu vieux, tu sais. Donc voilà. Il les mange et il fait les restaurants avec. Voilà, c'est ça. Pablo, je te présente ma femme, Kim. Kim, je te présente Pablo. Enchanté. Quand j'aime pas les gens, il les mange. Pratique. Des fois, quand j'aime bien les gens, il les mange aussi. Ça, c'est moins pratique. Bah, allez. Et il y a une fête au... Comment ça s'appelle? À la ferme. On va passer faire un tour. Jade? Oui? On aimerait bien pas mourir. Il y a Russo qui m'a appelé pour s'accommoder, là. Si. Russo, le club. Oui, oui, oui. Et donc? Bah, 375 000. Bah, on achète. Il me reste pas mal les caisses noires, donc on est bon. Messieurs, bonjour. Et donc on est censé faire quoi? Visiter? Parce que c'est une fête, mais c'est pas quoi? C'est les nouveaux vêtements à la ferme. Bonjour. Ah, c'est des vêtements. Bienvenue à la ferme, parce que c'est une ferme et elle s'appelle la ferme. Nickel. C'est original parce que le plaquette il s'appelle pas restaurant. J'ai envie de partir. Hein. Allez, on s'en va. Quelle heure qu'ils auraient dû venir? La ferme ta gueule. Merci pour cette invitation, on a passé un super moment. J'espère que vous pouvez prospérer dans votre vie des fermes. Et je vous remercie. Pas de soucis. Au revoir, bonne année, bonne santé, tout ça. Mais... Bon bah nickel. Non, ça, bah, ça fait... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à un moment donné? Mais désolé, mais à un moment donné, c'est pas possible. Donc, on a retrouvé ta Zantourneau. Dessus, il y avait du verre. Il n'a pas fallu plus pour qu'on parte. Du verre, ils avaient tagué, c'est débile. Non, non, de la peinture de leur voiture. Donc du coup, nous sommes partis, bah, en gros, les buter, sauf que Lenny est resté. Et à un moment, le cartel de l'époque, en fait, a débarqué, que je n'avais encore jamais rencontré. Et m'a dit, c'est simple, soit t'arrêtes de faire de ma ville un bain de sang, soit je te tue. Et au même moment, bah, Rose m'appelait pour, parce que Inigo était dans les salles d'histoire, quoi. Donc je suis parti pendant 3 ans les aider. Et c'est de Mexique et je rentre tout juste en te pensant encore dans le coma. Docteur Besson. Et en fait, pas du tout. Surprise! Non. Mais moi, il n'y avait pas de numéro quand je me suis réveillé. Je me suis réveillé, Elie, j'ai commencé à paniquer. Et à ce moment-là, Elie était là. Les Vagos m'ont dit que c'est fini le temps de Lenny, de Miguel et tout ça. Donc ils m'ont gentiment mis dehors. Et ce fait-là, Pablo était là aussi, dès le début. Et avec Pablo, on a monté un groupe qu'on a appelé la Mano. Ok. Comme les doigts d'une main. Sauf que là, vous êtes plus que les doigts d'une main. Bah, t'as deux mains, et bah, ça oui, fait oui, 10 doigts. Oui, oui, oui. Je me doute bien, oui. Oui, voilà, oui. S'il faut ajouter, je trouve les histoires, ok, à un moment donné, c'est. Voilà. Donc, on a pris, j'ai fait toute la communication que Lenny faisait à l'époque. La communication de la fameuse. Les dress codes et les véhicules, les faits d'être impartial. De faire peur et de manger un peu des gens de temps en temps. Alors, Lenny faisait pas. Oui, hein. Non, mangeait pas. Mais moi, j'ai Pablo, il est parti, il aime bien manger des petits bouts de gens et ça fait peur aux gens, c'est pratique. Mais después, il est parti parce qu'il fallait que j'aie les business avec les garçons en Europe. Et puis nous, on a continué de grandir, on a habité un quartier pendant un certain temps. Le quartier Mano et un quartier hispanique. Et depuis aujourd'hui, on vient de déménager à la villa, c'est un petit endroit sobre. Ah oui, donc c'est vrai que le mot villa fait très sobre.